outside screaming down the Soto. 85 degrees in the middle of the night, hot summers in Canova. I get out of the streets. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Diablo 3. Donc c'est un jeu que j'ai acheté très récemment, donc je débute un peu dans le jeu. Et je voulais filmer comme ça une quête ou deux manière de le mettre sur YouTube, car je trouve ce jeu mais vraiment super quoi. J'ai pas joué énormément, je suis niveau 12. Donc je suis un chasseur de démons il me semble. Enfin bref, c'est l'archer du jeu quoi. Et donc voilà, donc petite vidéo sur Diablo 3, on va commencer maintenant. Donc j'ai un objectif que je dois aller dans le bois putride. Donc on va aller dans le bois putride, écoutez. C'est parti. Donc je suis un petit peu un noob à ce jeu encore. Mais comme on dit, il y a un début à tout. Alors, on va apprendre ensemble. Hein. Je risque d'en faire peut-être d'autres, des vidéos sur Diablo. Je joue en mode normal. Donc je joue en mode normal, en partie privée. Je joue en partie privée, donc je sais pas vraiment à quoi ça correspond. C'est-à-dire sûrement que je joue tout seul. Que je ne joue pas avec d'autres personnes. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre sur le paramètre de la partie pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Donc voilà. Alors, je dois trouver quoi? Trouver le témoin de l'horreur dans le repos du guerrier. Mais aujourd'hui, où est le repos du guerrier? Ah putain, ça m'énerve ça. Je sais pas pourquoi j'ai le doigt du clic. J'ai le doigt pour le clic droit qui je sais pas pourquoi des fois est méga lourd. Et ça fait que ça repose sur le clic et ça appuie quoi. Genre d'un coup ça va faire pff, comme ça. Alors que non quoi. Je laisse le gars parler. Voilà, c'est bon. Donc ouais, je disais que je laissais le gars parler parce que ça serait sûrement chiant d'entendre les deux voix en même temps. Donc c'est parti, on voit dans le repos du guerrier. Donc pour choper un témoin, le témoin de l'honneur. Oh, déjà je vois un coffre. Yes. Bon alors, qu'est-ce que j'ai eu? De la merde. Et de la merde. Et de la merde. Voilà. Ah, encore un bouquin. Je laisse le gars parler. Ils vont à la bataille qui s'annonce. Mais j'ai lu la vérité dans ses yeux. Pourquoi m'a-t-il ordonné de rester veillé sur le témoin de l'honneur? Là-haut, dans la forêt, ces horreurs boiteuses massacrent mes frères. Et je ne peux rien faire pour les arrêter. Ok. Voilà, quand il y aura des livres ou quoi, je laisserai parler. Je parlerai pas par-dessus. Merde, pourquoi j'ai mis des pièges? Je suis un connard. Bon, ça quand c'est comme ça, ça me saoule en fait. Et du coup, je vais tout chier. Ouais. Salut. T'as crève un jour, toi, non? Ah, mais il reste. Voilà. Putain, mais il y en a combien, hein, sinon? On va se calmer, les gars, là. Ouais. Alors, j'ai gagné ça. Qu'est-ce que c'est? De la caca, pas trop. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Bah oui, l'argent. Ouais. Pour l'armure, c'est de la caca. Mais je regardais surtout la dextérité. Mais armure, caca. Alors. Ok, c'est tout. C'est tout. Très bien. Bon, bah écoute. Allez, salut. C'était sympa. Bah dis donc, je pensais qu'il y aurait un petit boss, un truc comme ça. Ah, oh, encore c'est... Oh, j'ai enlevé le...
mon doigt de la du click drop parce que là ça va plus là. Bon, bah toi c'est fait. Bonsoir messieurs. Contrôle de routine. Merci. Très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, pour ceux qui voulaient voir mon stuff en fait. Donc voilà mes stats, etc. Pour ceux qui veulent voir les détails, voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Je sais à peu près ce qu'il faut augmenter, ce qu'il faut pas augmenter hein, non plus. Je suis pas non plus un super méga noob. Voilà, à peu près. Donc voilà, en casque, enfin en casque, en capuche, en chaperon, en cuir chanceux du faucon. En cuirasse, j'ai un objet légendaire. D'ailleurs, quand je l'ai drop celui-là, il était genre. Il était pas identifié, il y avait pas les. Donc les caractéristiques. Et cette hype que j'avais quand j'ai cliqué sur. Sur découvrir les caractéristiques, en mode j'étais genre. J'en pouvais plus quoi, je voulais trop savoir ce que c'était, mais ça, au final c'est un bon truc. Franchement. Et puis bon, je sais pas si c'est toutes les armures légendaires comme ça, mais voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est dorée. Vraiment classe. Donc voilà. Petite ceinture au calme, petite jambière rare, des petites bottes, une petite arbalète, un petit anneau, des petits gants, des brassards et un carquois. Voilà, c'était mon équipement. Il manque encore une épaule et le cou. Voilà, pour ceux que ça intéressait, peut-être, on sait jamais. Voilà, c'est des mortiers. Mortier, moi j'aime pas. C'est le genre de spécialité avec les monstres A qui me casse bien les couilles. Voilà. Mortier, téléportation. Les murs, encore, je m'en bats les steaks, mais téléportation et mortier, quoi. Non. Je ne supporte pas. J'ai pas drop quelque chose. Ah si. Alors, les compétences qui infligent des dégâts physiques font 3% de dégâts en plus. Bah non, du coup non. Parce que ça, j'ai pas de dextérité. Et je préfère sacrifier un point d'armure pour avoir un peu plus de dextérité. Sachant qu'en armure, je suis pas à plaindre. Je me démerde. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Bonsoir. Je viens là. Oh, salut. L'autre, oui, évidemment. C'est tout. Bon. Bah, on va rentrer là, du coup. Nous sommes dans les cryptes des anciens. Non, dans les cryptes, dans la crypte. Putain. Ah non, oui, ah non, oui, d'accord. Ah oui, non, mais il y en a qui sont mis devant moi, très bien. Pourquoi elle parle à l'autre là? Elle a baissé tout le son du jeu, genre. Le jeu, c'est une victime quoi. Dès que la meuf elle a parlé, il s'est baissé quoi. Allez, un livre. Rassembla les adeptes du Zakharum les plus pieux, déterminés et les plus martiaux qu'il put trouver. Appris à canaliser la puissance de la lumière, comme l'apprenait le nouvel ordre des paladins. Mais ces recrues, ces croisés, furent initiés aux puissances primordiales du Zakharum, comme jamais un paladin n'en avait connu. Voilà, bon, j'ai laissé les gars parler encore une fois. Maintenant, vous êtes prévenus, de toute façon. Oh, je kiffe qu'il y a plein de monstres comme ça, genre. Et qui t'arrive là, t'es genre. Les gars, dérange pas. Je trouve quand même que le chasseur il est vraiment mais genre gavé ou pé quoi. Genre le type là il tire des mitraillettes au calme. Mais calme, le mec s'en bat les couilles quoi. Le mec il arrive, il pose ses couilles. Non, hop là. Il pose ses couilles et puis voilà. Et voilà. Bon là j'ai plus à avoir de haine mais. Oui c'est de la haine, oui c'est de la haine. C'est pas grave, on va recharger ça un petit peu. J'ai eu des gants. Ok. Oh merde, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était un squelette la pauvre miskine. Bon alors. J'ai gagné un truc, j'ai des gants. Est-ce que les gants sont mieux ou pas? Non pas du tout. Très bien. On prend des gages. Voilà. Bon bah on va récupérer l'autre. Hein. Témoin placé sur un piédestal.
Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir ou à entendre. On s'en bat les couilles, s'il te plaît. Merci. Bon, il nous reste à aller chercher témoin placé sur un piédestal. Putain, le truc, mais pas trop vague, quoi. Genre, voilà, quoi. Tout à fait normal. Allez, encore ce doigt trop lourd, là. Et j'ai me coupé le doigt, je crois. Ah non, il y a un lutin, un machin. Vas-y, je veux ta thune, mec. Oh, comment tu fais ta pute. Jure, tu cours. Voilà. Nice. Allez, à moi la thune. Qu'est-ce que j'ai eu? Une arbalète de merde. Et toujours une arme, machin. On doit aller par là-bas. Est-ce que c'est loin? Est-ce que je prends un relais ou pas? Oh, non, pas besoin. Pas besoin. Bonsoir, monsieur. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire exactement. On va faire la quête principale. Je crois qu'il faut que je rentre dans un temple. Mais je ne suis pas sûr du tout. Ce qu'il faudrait savoir, je suis dans l'acte 1. Je crois. Donc voilà. Donc témoin placé. Donc en fait, ce que j'ai récupéré, il faut que je les place sur des piédestals en fait. Si j'ai bien compris. Nice, c'est ça. Ok. Donc après, je pourrais rentrer. Ah oui, parce que ce connard là, il voulait pas que je rentre. Parce que j'étais pas un néphalem, je sais pas quoi. Un expert reçu machin, cool là. Cool, cool, cool. Pénétrer dans le temple englouti. Ouais. 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 Ils sont mes frères. Ouais. Mais ils vous voueront à la mort si vous pénétrez à l'intérieur. Ok. C'est parti. Ah oui, people. T'as des mecs qui vont pas y m'attendre quoi. Genre. Bonsoir. J'aime. J'ai le. Oh ouais, mais ça c'est un truc pour guerrier ça. C'est un truc pour guerrier ça. Moi je prends pas ça. Pas déconner. Ah oui, toi t'es beau toi. Je recharge un peu ma haine et. Allez, meurs. Ok, le mec il tourne. Oh, 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 oh. Mec, il... oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, tu fais spawn tes sauces. Tes potes, genre. Je passe au niveau 13. Merci. Ça fait le plaisir. Hop. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que. C'est qu'il y a de la thune par terre. Hop, je récupère. Donc pour ceux qui ne savent pas, Diablo c'est un hack and slash. Si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que bah, tac, je clique là, le mec il va là quoi. Ou je me tiens enfoncé et le mec il va faire ça quoi. Je le guide avec ma souris genre. J'ai des sorts genre. Genre hop, clic gauche, clic droit. Le clic droit consomme de la haine. Le clic gauche recharge la haine, il me semble. Et ensuite j'ai des disciplines, oui. Enfin j'ai des sorts qui utilisent des disciplines. Enfin sur ça des sorts, oui c'est des sorts. Qui utilisent discipline, genre je peux placer un piège, tac, voilà. Et quand les mobs iront dessus, seront ralentis, je peux faire des supérieurs pour aller plus vite. Et donc ça, ça utilise de la discipline. Voilà, grosso merdo, voilà. Et le globe rouge, c'est la vie. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, grosso merdo, je vais laisser parler. Mmh. Ok, mec qui pose une question, mais il s'en bat les couilles. Genre je peux pas lui répondre en fait. L'esprit dit vrai. L'esprit dit vrai. Ouais. Bonsoir. Encore toi. Ah oui, je dois récupérer les fragments d'épée ça. Encore toi. Eh ouais, encore elle. Qui est cette fille avec vous? C'est ta sœur. C'est la fille d'Adria. Il y a un pouvoir en elle. Mais peu importe. Mais moi on s'en bat les couilles en fait. Encore ces sbires de merde là. Genre les trucs c'est du vent quoi, tu fais. Tu souffles dessus, c'est bon, ils meurent les types, tu sais. Qu'est-ce qu'elle voulait dire au sujet de ma mère? Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années? Ouais, s'il faut, elle a fait les trottoirs et tout. Je sais pas. Et quels sont ces pouvoirs cachés dont elle parlait? On s'en branle, les mecs, allô. Je vais juste récupérer. Voilà, récupérer le fragment. Ouais. Nice.
J'ai gagné un truc aussi. Allez voir ce que c'est. Ridiculement bref. La démoniaque Nereza a promis de leur rendre leur pouvoir. Mais elle n'a fait que les changer en créatures difformes et les retourner contre nous. Nous mourrons peut-être. Mais pas très avant qu'elle nous soit renvoyée aux enfers. C'est bon, Podo, t'as fini de parler là. Alors, j'ai gagné ça. Putain, là franchement, dilemme là. Non, je peux pas. Je peux pas. Ah putain, quoique. Non, c'est gros dilemme. Parce que je crois que la cuirasse que j'ai actuellement en mode légendaire, je crois que c'est une cuirasse qui est pour les plus guerriers, il me semble, parce que ça fait de la force. Alors, comment il faut de la dexté? Le truc c'est qu'elle est vachement bien quoi. 22 de vita, régénère 9 points, 6 points de différentes victimes. Tu es des monstres, plus 7 points d'XP. Attends, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on propose là. Mais en dextérité, j'ai rien. Alors que sur celle-là, j'en ai 17 quoi. Putain, j'aime pas ce dilemme comme ça. Dexté, ça augmente le dégât, je crois. Caractéristique principale des chasseurs de démons et des moines, augmente tous les dégâts infligés par les chasseurs de démons et les moines de 137%, augmente l'armure de 137. Ah, je sais pas qu'on verra, tu sais quoi, on va voir. Ah ouais, je perds au taquet de vita, je perds au taquet de force, mais je gagne au taquet de dextérité. On va laisser comme ça. Tant pis. Rapportage fragment d'épée étincelant, nouvelle tristam. Voilà. Alors, hop. Ah, les chargements sont super rapides. Ça c'est good encore. Avant de lui parler, je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais recycler tout ce qui me sert pas. Genre toi. Ah merde. Et ça je sais pas qu'est-ce que j'en fais quoi. Je vais peut-être le garder si jamais je fais un perso. Si je fais un guerrier. Hop. Hop. Et hop. Nice. Allez, toi viens parler. Magda nous suit de près. Il faut vite trouver le dernier fragment. Je me souviens. Une traînée lumineuse. Un village. Des bateaux de pêche. Ça doit être Wartam. Oh, bravo, ma chère Léa. Le passeur va vous y emmener. Ok. Parler au batelier. Where is the batelier? Allez, Stipar. Stipar mes sauces. Ah oui, je vais voir s'ils vendent des trucs bien ou pas lui. Putain, tu vois rien pour moi en fait, genre. T'es inutile. Toi tu pues. Toi tu. Paf, oh, tu pues. de la merde. Très bien. Tu sers à rien, mec. Oh, petit lag. Excusez-moi pour les micro-freezes qu'il peut y avoir. Diablo apparemment gourmand, alors. Voilà. Allez. Salut. Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. Il y a de la fumée qui monte du village. Pas grave. J'en fais moins faire de la fumée, moi. Ils en empêcher du coup. Hop. Désolé pour les bruits de clic aussi. Je sais que ça peut être chiant mais j'ai pas trop le choix. Malheureusement.
Ah putain, je crois que c'était un mec. Un ennemi. Ah putain. Ne partez pas seul devant. Vous allez vous faire tuer. Ça va, Cimer. Je sais pas qui a parlé la meuf là, mais. Je suis pas non plus. Oh. Putain, tous ces globes qu'il y a par terre, genre. Mec, ils ont trop peur qu'on meure quoi. Des bruits communs. Alors, qu'est-ce que tu veux toi? Ah, encore? C'est quand qu'on la tue elle quoi? Ce serait tellement mieux. Oh, t'as lui, t'as... Oh putain, ouais, un scan direct. Lui. Toi déjà tu meurs là-bas. Toi. Ah oui! Très bien. Très bien. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Nous avons réussi. Merde. Je suis le con. Vous nous avez sauvé. On vous doit la vie. T'inquiète. T'inquiète, poteau. C'est la mif. Je suis hal, mon gars. Oh putain, j'ai des boîtes rares. Bah là. Ah mais ouais, je perds un peu de dexté quand même. Je perds de la dexté. En fait, c'est de la merde. Clairement quoi. Ah mais j'ai plus 8 de vitesse de déplacement là, désolé. Ah oh, j'ai un objet légendaire les gars. Les gars. C'est parti, allez, allez, allez. Oh, s'il te plaît, un bon truc là. Un truc qui roque du poney là. Oh nice. Oh nice. Putain, dextérité, 33 de vitalité, donc la vitesse avec des 3%, ça c'est nice. Oh, putain, c'est objet de malade quoi. Putain, trop bien. Je refais. Oh, c'est tellement stylé. Et tellement stylé. Genre à briller et tout. Pff, tu sens que le mec il a du lourd sur lui quoi. Allez. Nous l'avons trouvé il y a quelques jours. Je regrette. Venez, je l'ai confié à Virgile. Nous serons bien contents d'en être débarrassés. Ouais. Nouvelle quête terminée, machin. Voilà, ouais. Descendre à la cave de la chapelle de Warsam. J'ai eu un truc. 15 de vie. Non, de la merde. Hop. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'aime bien prendre tout ce qu'il y a. Donc il faut que je descende là. Sachant qu'on est à 23 minutes de vidéo à peu près, peut-être un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête là? Je pense que je vais arrêter là. C'est pas mal pour un premier épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu sur Diablo 3. J'en ferai d'autres. D'ailleurs, je vais peut-être filmer le deuxième épisode juste après. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Sur ce, portez-vous bien et ciao tout le monde.